Salut tout le monde, c'est Nelchine, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la même map qu'on avait fait dernièrement. Alors du coup ouais, je vous cache pas que c'est la suite, hein. Voilà, il n'y a pas eu de nouveauté, il n'y a pas eu un jour ou deux qui a coulé durant les vidéos qu'il y a eu. Donc du coup je me suis dit d'en faire plusieurs un petit peu là-dessus. Je vous rassure, c'est la dernière, hein. je vais pas en faire trop non plus là-dessus, je vais quand même changer un petit peu. J'espère que du coup le contenu jusqu'à maintenant vous plaît, j'espère que tout se passe bien. Du coup on va commencer dans pas longtemps, on se rend sur le pont où il y a les ennemis. Et on attend. 3, 2, 1. Et attention, ça bombarde. Allez, 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 allez. Le petit Evie là-bas. Voilà. Attention, random critique. Oh putain, l'Uber charge. Ah. Alors, on m'a posé une question par rapport à mon minigun en fait. Tout simplement, on m'a demandé pourquoi est-ce que tu ne prends que ce minigun là. Alors. Je vais pas vous cacher que déjà je l'aime beaucoup, je l'aime bien, c'est avec celui-là que j'ai fait pas mal de vidéos. Et puis surtout, bah, j'ai envie de filmer un petit peu son évolution, c'est-à-dire un peu le faire monter. Je me suis fixé un objectif avec lui, c'est de le faire monter au minimum à 2000 kills avec. Alors bon, ça va être un peu long, je me fais embrocher par derrière. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je ne change pas forcément de minigun malgré que j'en ai plusieurs. Et on m'a aussi demandé en fait pourquoi je ne jouais que Eevee. Alors, faut savoir que avec le Eevee, c'est la classe avec laquelle je suis le plus à l'aise. Hein, bêtement, il n'y a pas vraiment d'autres raisons. Et puis surtout, bah, après les autres classes, je les gère moins que celles que j'ai pu avoir en fait. Donc du coup, et lui il prend pas ses dégâts, j'ai l'impression, il prenait pas ses dégâts. On est bien d'accord que là il prenait rien. Ou alors c'est moi qui tirais contre le wagon, mais ouais, c'était bizarre. Du coup voilà, tout simplement, bah, avec les autres classes, je suis pas forcément à l'aise. Je sais qu'elle va un minimum les jouer, hein. Mais c'est vrai que je les gère moins que celles que je pourrais... Que celles tout simplement que j'utilise dans le jeu quoi en fait. No swimming, j'aime bien ce qui était marqué sur le panneau. Et j'aime bien un petit peu ce portail comme ça, il est simple. Et puis il est pas casse-couille celui-là. Mais voilà, tout simplement pour répondre à la question, je me rappelle plus de ton nom. C'est tout bêtement pour ça en fait que je joue simplement Eevee parce que voilà, j'ai... C'est pas le genre de classe en fait que je joue... Je joue souvent en fait on va dire. Voilà, j'espère que du coup je réponds à ta question. Pour ce qui est vraiment du Eevee en fait, c'est vraiment la classe que je joue le plus en fait. Que je suis le plus à l'aise, j'ai pas de soucis avec cette classe. Bon, ça m'arrive de mourir, hein, avec, bien entendu. Faut bien mourir au bout d'un moment. Honnêtement, les autres classes, bon, je sais les jouer. Je pourrais jouer par exemple Engineer, je sais jouer Engineer, mais le problème, ça serait un peu casse-couille de me voir en fait toujours au même endroit et attendre que les ennemis en fait se fassent pougner quoi. Que du coup, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas forcément jouer cette classe en fait. Enfin, du moins en vidéo. Attention, là il y a du monde, là il y a du monde. Allez, allez, on essaie de s'en débarrasser le plus possible. Ouf. D'accord, ils m'ont presque tendu la perche pour mourir en fait là. Allez, 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 crève. Ouais. Allez, il manque plus qu'une victime pour finir un défi en plus. Si j'arrivais à la faire dans cette vidéo, ce serait cool. Allez, 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 allez. Ah, putain de merde. Attention, et voilà. Ah ben, mon minigun a encore atteint un statut, c'est cool. Ça progresse et je me fais embrocher. Bon, ils m'ont vraiment pris pour un michouille, c'est con. Alors, on m'a posé aussi une question par rapport à certaines choses que je dis. On m'a demandé si j'étais pour ou contre le véganisme. Alors bon, c'est une question un peu random, mais je vais quand même y répondre. Alors en soi, je n'ai rien contre le fait d'être vegan. Je n'ai rien du tout, mais alors rien du tout contre ça. Faut savoir une chose par contre, que je déteste, c'est les vegans extrémistes. Alors bon, peut-être qu'il y en a, hein, je ne vise personne. Mais voilà, pour répondre à cette question, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Voilà, après si on n'aime pas une personne, on ne lui parle pas, on ne la côtoie pas, on fait rien, on se met le plus loin possible de cette personne. Voilà, moi, en soi, voilà, j'ai des amis bon, qui le sont un petit peu vegan, mais ils respectent, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, ils vont pas aller dans une extrême de dire, toi t'es un criminel de guerre nazi parce que t'es... Parce que voilà, tu bouffes de la viande, quoi. C'est-à-dire chacun mange ce qu'il veut, chacun s'alimente de ce qu'il veut. Voilà, je vais pas dire quelque chose parce qu'on a sorti, par exemple, un burger vegan au McDo. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il en a envie. Mais voilà, ce que j'aimerais, justement, pour éviter un petit peu la guerre là-dessus, c'est que chacun comprenne que chacun fait ce qu'il veut. C'est pas le but d'aller dire à l'autre, toi t'es con parce que tu te prives de la viande, et dire après de l'autre côté, toi t'es un viandard, tu bouffes de la viande, t'es un criminel de guerre, tu soutiens un meurtre, quoi. Voilà, bon, je vous cache pas que, par contre, il y aurait quelqu'un qui viendrait... Moi, n'étant pas vegan, qui viendrait et qui me dirait t'as pas honte de manger un morceau de cadavre, il s'en prendrait une dans la gueule. Je le dis en toute honnêteté, il se boufferait mon poing dans la gueule, mais directement, hein, je chercherais pas à comprendre. Alors lui, par contre, ah oui, d'accord.
Voilà, moi honnêtement, je pars du principe que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Mais après, c'est pas le but de venir et de casser les couilles à quelqu'un, quoi. Moi, après, j'assume pleinement le fait de manger de la viande. Hein. J'ai toujours fait ça et je vais pas m'arrêter pour autant. C'est pas le but d'essayer de me convertir là-dessus. Je ne me convertirai pas au véganisme. Mais je respecte. Je respecte totalement le fait qu'on puisse l'être. Tant que les autres me respectent aussi. Voilà. Je pars de ce principe. Donc, j'espère que ça répond également aussi à ta question, du coup. Et puis, voilà. Oula. Oh putain, je t'avais pas vu, toi. Oh merde, je t'avais pas vu. Oh putain, aïe. Oh, il m'a mis cher. Du coup, petite clope des familles, hein, pour ne pas changer. Alors, on m'a posé la question, on m'a demandé qu'est-ce que je fume en général. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment une question auquel j'aime bien répondre sur YouTube, mais bon, je vais le faire quand même parce que je vous cache pas que je m'en fiche un peu de ce qui peut se passer. Mais voilà, je fume tout bêtement des Winston. Des Winston, les paquets, c'est des classiques blends. Bon, j'espère que du coup, ça intéressera un peu d'autres monde, parce que bon, parler un peu de mes paquets de clopes, voilà. Et c'est vrai qu'on m'avait déjà posé la question. Donc oui, c'est des Winston sans S blends, donc oui, c'est quand même des clopes. Et surtout, voilà, ce que je peux fumer aussi de temps en temps, c'est des ce qu'on appelle des Black Series verts de chez Lucky Strike. C'est des clopes en fait mentholées. Alors, c'est pas mal. Alors, le problème, c'est que par contre ça donne vraiment des bronchites, hein. c'est pas un mythe, ça donne vraiment des bronchites des fois. Si bien que des fois ça m'arrive de devoir faire des coupures parce que je tousse assez souvent. Mais bon voilà. Bon, c'est pas ça qui fait généralement que je coupe mes vidéos. Hein. Mais voilà. C'est simplement en fait pour éviter que ça soit trop long et trop casse-couille en fait à regarder. Tout bêtement. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui se posaient la question, ben aujourd'hui vous avez la réponse. Oula, le spawn kill, du coup, ça va être pas mal, ça aussi. Bon, j'ai rien contre, hein, je m'en fous. Oh, putain, les critiques. Ah, du coup, on a fini un défi, on va aller vérifier ça. Hop, hop. Et normalement... Ah, faut attendre que la partie soit finie. Du coup, ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, faut qu'on essaie de défendre au minimum. Bon, je vous cache pas que celle-là, à mon avis, elle est perdue. Hein. Je vais pas vous faire de fausse joie. Mais au moins, déjà, j'ai fini ce que j'avais à finir. C'est pas mal, hop, voilà, petit random critique. Ça fera toujours ça pour mon minigun. D'ailleurs, vu que c'est perdu, on va les vérifier un peu. Elle a combien de kills? Oh, 235, ça commence à monter. On arrive bientôt aux 2000. Non, je plaisante, il y a encore une sacrée marge, hein, mais bon. Mais ça sera fait, hein, c'est un objectif. Et puis après, on verra pour 4000 et peut-être pour 8000 si c'est possible. Mais ça prendra beaucoup de temps par contre, hein. Aïe, mais c'est pas vrai. Et c'est parti pour le show. Oh putain, je vais pas me remettre à chanter ce vieux truc de merde. On avait vraiment des musiques de merde à l'époque aussi quand même. On avait des bons titres à l'époque aussi, mais il y avait vraiment des trucs, c'était horrible. Et heureusement que cette chanteuse, on la voit plus. Désolé pour ceux qui l'aiment, mais je parle un peu franc, mais voilà. Honnêtement, je dis clairement ce que je pense là. Je détestais cette chanteuse. Allez les gars, il reste 4 minutes à tenir. Si on pouvait tenir et réussir à la gagner, ça serait franchement fun. Ah oui, d'ailleurs, suivez bien, parce que du coup, pour la prochaine vidéo, il y aura normalement un case opening qui se fera. Donc du coup, je pense que ça peut être pas mal. Essayer d'ouvrir les dernières caisses d'Halloween avant que ça soit plus possible de les faire. Hop. Aïe. Ah oui, tu es avec la Tommy Slave, elle est jolie en plus. Les fois prochaines, j'essaierai peut-être de jouer un peu Pyro ou des choses comme ça. On verra si je peux le faire. En même temps, j'essaierai de trouver un peu des skins parce que c'est vrai que, bon voilà. Les skins de base aujourd'hui, ça fait un peu laid quand même, je trouve. Et ça fait un peu dommage surtout. Je vais essayer d'appliquer un peu des peintures sur... comment dire, sur un lance-flamme ou un truc comme ça, ça pourrait être pas mal, je trouve. Oh putain, j'ai essayé de faire un petit carnage là, mais bon, je me suis fait dérouiller bien comme il faut. Bon bah, dans tout le cas, de toute façon, ils l'ont gagné. Tenir 3 minutes alors que là, non, voilà, allez. Il suffit d'une pichenette dans le wagon et là, c'est terminé, dans tous les cas. Bon, je vais y aller honnêtement, mais là, pour le coup, c'est perdu. Après, ça serait franchement un miracle si on arrivait à tenir autant, quoi. Si on arrive à défendre, ça serait franchement pas mal, mais le problème, c'est que là, il y a un spy. J'ai pas réussi à avoir, il y a lui. Allez les gars. Allez pour les abonnés, on essaie de faire quelque chose là. Il y a un petit médic là-bas, il vient de mourir. Aïe, oh putain. Ils ont réussi à le mettre et j'ai voltigé. Bon. Faudrait qu'on essaye au moins de la gagner comme ça. Je vais essayer de pas retomber comme j'étais tombé l'autre fois. C'était vraiment... c'était vraiment con la manière où je suis tombé en plus. Oh, putain, mais c'est... c'est le festival des autotamponneuses là. Ah putain, aïe. Mais c'est qui me pousse l'enculé?
Allez, allez, allez. Essaie de pas tomber, essaie de pas tomber. Non, 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 non. Oh, oh yes, ça va, j'ai réussi à tenir. Allez, allez, allez. Oh ben, eh ben c'est gagné. Impeccable. Bon, ben, du coup, je me jette dans la mare au canard. Eh ben voilà, ça fait une petite victoire, c'est cool. Bon, ben voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, du coup. Et puis, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ou un pouce rouge aussi si ça vous a pas plu. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête. Et ça prend quelques secondes. Voilà, c'est une très bonne matinée, une très bonne soirée, une très bonne journée, selon l'heure où vous êtes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut !